indépendance. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des alliances fortes avec les États-Unis d'Amérique, en matière de sécurité collective, et où nous travaillons remarquablement bien, ce qui fait que moi, je dois constamment parler avec le président Trump, et nous avons cette relation très forte. Et il y a des sujets sur lesquels nous avons des désaccords. Il n'y a pas d'alignement systématique. Emmanuel vient de dire que l'Europe et les États-Unis ont des engagements communs, notamment en matière de sécurité. Mais il ne faut pas avoir peur là-dessus. Nous allons vous aider. Nous allons assurer la sécurité. En tout cas, nous allons faire tout ce qui dépend de nous pour qu'il n'y ait plus de nouvelles menaces. Je pense que c'est dans cet axe qu'on doit réfléchir surtout. Quant aux questions de sécurité, je veux rassurer Vladimir, je n'ai pas peur parce que la France a une armée qui sait se protéger de toute façon seule, mais j'ai aussi mes devoirs à l'égard de reste des alliés européens. Et je pense que cette architecture de sécurité européenne que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre responsabilité. Mais elle ne se fera pas en tournant le dos aux États-Unis d'une part, et elle ne peut pas se faire aux dépens d'autres États de l'Europe d'autre part. Et ça, c'est notre capacité à faire. Donc je n'ai pas peur, et je veux faire. Mais on a chacun notre bout du chemin. C'est bien dommage.